plus le choix de toute façon maintenant. Si on veut accrocher vers les 6 premiers, il va falloir faire des exploits et voilà, peut-être qu'on se tire une petite balle dans le pied. Ouais. Mais maintenant, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais il faudra chercher des points. Est-ce que c'était Castres qui a été trop fort? Non, je pense pas. On a rivalisé avec eux l'année dernière, je pense qu'on a rivalisé aussi, on fait juste trop de fautes et voilà. Ça compte PK, je fasse une équipe qui est première, ça pardonne pas. Et aujourd'hui, elle a bien montré qu'elle était première du classement. Maintenant, voilà, faut pas non plus tout remettre à zéro et tout remettre à plat. Mais il y a eu des bonnes choses quand même, même si la première mi-temps on subit trop. Mais il y a eu des bonnes choses quand même. Et c'est très frustrant, quoi. C'est très frustrant. Maintenant, il va falloir relever la tête et rester très très soudé. C'est difficile de gagner un match quand on fait autant de fautes. Quand on était dans leur camp, on leur donnait la possibilité de repartir tranquillement. Et quand on était chez nous, on se mettait sous pression parce qu'ils avaient l'opportunité de prendre 3 points. Donc c'est vrai que ces pénalités ont coûté cher. Et abattu après une défaite comme ça à la maison, je crois que la déception elle est légitime. Et on va pas se mentir, elle est là, c'est clair. Encore une fois, on se répète un petit peu, mais on ne peut pas baisser la tête. On ne peut pas baisser la tête et rester sur cette fatalité et se dire qu'on a perdu. Maintenant, j'espère une réaction d'orgueil, de fierté, je ne sais pas, mais on ne peut pas baisser la tête. Ouais, il a manqué de la discipline, il a manqué de scorer quand on avait l'opportunité, quand on était chez eux et qu'on a eu l'opportunité de marquer. On n'a pas scoré, que ce soit par un essai ou par 3 points. On a eu quelques fois l'occasion, pas beaucoup, mais quelques fois. Et encore une fois, avec ces deux choses-là, on est passé à côté sur un certain niveau. Cet après-midi, je pense que contre l'équipe de Castres, qui est une équipe très en place, on a fait un match, les joueurs ont fait un match tout à fait correct. Et comme j'ai dit à leur vestiaire, si jamais on marque sur ce petit coup de pied par-dessus, et si on fait un mètre de plus sur une action près des lignes là-bas, on gagne le match d'un point, ou si jamais il y a une pénalité de moins, on gagne le match d'un point. C'est anecdotique, mais on gagne le match. Ce soir, tout le monde a dit, on a battu Castres, c'est le retour de Montpellier. Alors, entre perdre un match comme ça de 5 points et le gagner, il y a toujours... Il y a des matchs où on peut dire on est battu et il n'y a rien à dire. Là, c'est pas le cas, on fait beaucoup de fautes. Oui, je crois qu'on a retrouvé certaines valeurs. Maintenant, la troisième défaite à domicile, c'est lourd à porter, quoi. Surtout que maintenant, on a deux déplacements à venir. Voilà, il faut s'accrocher. Je crois que c'est un championnat. On a vu hier un résultat de Perpignan qui a perdu largement chez lui. Je crois qu'il va y avoir... Je crois que ça va être un championnat un peu fou, en haut comme en bas, comme au milieu. Voilà, pour s'accrocher.